Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour ma routine soin du samedi soir, quand j'ai vraiment le temps de prendre soin de moi. Donc on va se préparer pour aller se coucher et je vais commencer par mettre ma petite princesse dans le bain et on va commencer les soins. Je commence par attacher mes cheveux pour ne pas être gênée. Et je vais retirer aussi mes bijoux. Je commence par savonner mon visage avec le savon Medimix, c'est un savon indien que j'adore, que j'utilise depuis des années. Et je vais faire un deuxième lavage avec la brosse Tozo Wong, elle va me permettre de bien désincruster mes pores et d'enlever le plus gros du maquillage. On va enlever maintenant les yeux de panda et pour ceci j'utilise le Cil Démasque. Donc c'est un démaquillant waterproof. Moi je n'ai pas de maquillage waterproof mais étant donné qu'il est super efficace et j'avais entendu que du bien donc je l'ai acheté. J'utilise l'eau démaquillante Labelle. Donc j'insiste bien sur la racine des cheveux, là où j'aurais pu oublier des restes de maquillage. Et il en reste toujours en plus. Donc j'ai deux soins en ce moment. Donc il y a l'oxygène facial de Dr. Brandt et le masque Magnifica de Sanoflore. Ce soir j'utilise celui de Sanoflore. Donc il va me servir à purifier ma peau et à resserrer mes pores. Donc je l'applique en couche épaisse et je dois dire que j'aime beaucoup ce masque. Je le laisse poser 10 minutes et je l'applique une fois par semaine. Et oui, la tête que j'ai. Donc pendant ce temps, je vais m'occuper de ma princesse. Donc je vais savonner son corps avec le gel douche sur gras Neutraderme. Il est fait pour peau sèche et sensible. Une fois que c'est terminé, on va passer dans la chambre. On va hydrater sa peau. Pour ceci, j'utilise du beurre de cacao et du beurre de mangue, donc c'est 100% naturel. J'ai tout acheté sur le site Aromazone et j'ai fait le mélange moi-même, donc je l'applique comme ceci sur tout son corps. Elle a la peau très sèche et elle a des démangeaisons, donc ça la nourrit et ça l'apaise. On va passer au pyjama et un petit moment de folie. Retour au calme, donc elle va choisir un jouet, elle a choisi un petit téléphone, mais elle va vite se lasser et me demander le mien pour pouvoir regarder les vidéos sur YouTube. Donc telle mère, telle fille. Elle adore regarder les vidéos de dessins animés, de chansons pour enfants, etc. Et pendant ce temps, je retourne dans la salle de bain. C'est maintenant l'heure de rincer mon soin, je vais passer sous la douche. Et maintenant, il va falloir fermer les yeux. Sous la douche, j'utilise le gel douche Bath & Body Works au concombre et au melon. Ensuite, je vais faire le gommage blanc crème à la noix de coco que j'adore. Je vous l'ai montré plusieurs fois et je le trouve super efficace et super agréable. Il vous laisse la peau toute douce, c'est un réel plaisir. Une fois que c'est terminé, on va continuer avec l'eau Magnifica. Donc c'est l'Aqua Magnifica de Sanoflore, essence botanique, perfectrice de peau. Elle libère les impuretés, oxygène la peau et resserre les pores. J'ai trois produits de cette gamme et je les trouve vraiment super. En journée, j'utilise aussi la crème Aqua Magnifica. Dans la crème Magnifica qui hydrate et matifie ma peau, mais pour ce soir, j'ai besoin de quelque chose de beaucoup plus riche. Donc j'utilise le soin généreux de Florence Nature, essentiellement sur le bas de mon visage qui est très sec. Et ensuite, je termine avec ma zone T, la zone qui en a le moins besoin.
on va continuer avec le contour des yeux de l'Institut Arnaud. Donc j'essaye au maximum de m'instaurer ce contour des yeux dans ma routine. À partir de 25 ans, il est bien d'utiliser un contour des yeux. Donc on va finir maintenant avec le baume hydratant pour les lèvres de Florence Nature à l'huile d'argan, que je trouve aussi très agréable à utiliser. Il hydrate très bien les lèvres. Une fois que c'est terminé et que j'ai enfilé mon pyjama, je vais m'occuper d'attacher mes cheveux pour dormir. Je suis prête. J'attache mes cheveux comme ceci pour les étirer pendant la nuit. Et je vais les protéger avec mon durag comme d'habitude. Je vais retourner dans la chambre et je vais retrouver ma petite princesse. Je vais lui demander de me rendre mon téléphone, mais ça va pas être gagné. À la place, elle va me donner son jouet. Donc Maëlia adore vraiment regarder les vidéos, tout comme moi. On va passer la soirée comme ceci, dans le lit, on va regarder quelques vidéos et voilà, on adore ça. On espère que ça vous a plu, on vous fait de gros bisous et on vous dit à très bientôt. Bisous!